Laurent, aujourd'hui, gros match pour toi, t'as été quand même très sollicité. Ouais, à cause de lui. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Lui, il a été quand même toute l'année à supporter le flash sur ses épaules, et là, sur la finale, c'est toi. Ça s'est passé comme ça, on m'a dit, était vieux, je suis gentil, c'est la finale. On voulait, c'était prévu que ça soit lui le MVP, mais apparemment, il Bah pourtant t'en as traîné quelques-uns derrière toi. Hein. J'en ai d'autres à la maison. Et des titres, alors le 9e, ça t'en fait d'autres aussi à la maison. Et pour revenir sur la saison, c'est vrai qu'en début d'année, vous vouliez gagner le titre. Vous y êtes arrivé. On a avancé et l'objectif atteint. On n'a pas menti. Vous avez été content de la manière avec laquelle vous l'avez acquis. Ouais, une seule défaite sur l'année, que des victoires. Voilà, c'est propre. Pas le rapport au début, mais on a augmenté le niveau de jeu sur les matchs. Beaucoup d'équipes ont douté sur nos capacités à monter la tête après la défaite de l'année dernière. Comme d'habitude. Et voilà. Bon, pour toi, Guillaume, on va dire que la finale, c'est un peu difficile à vivre, mais sur l'année, c'est quand même une grosse saison de ta part, quand même. Oui, j'ai eu la chance d'avoir du temps de jeu. Lolo, il a avec son boulot, j'étais tout seul à des matchs. C'est vrai que j'ai porté beaucoup, énormément la balle. Bon, et la finale, le titre, tu le ressens comment avec ta blessure? Je suis très content, je suis un peu dégoûté d'être de ne pas avoir joué. Mais bon, le principal c'est l'équipe, je suis très content qu'on en soit arrivé là. Bon alors, dans très peu de jours, on vous retrouve tous les deux en bleu à Strasbourg et après la Coupe du Monde. Où on est encore la tête un peu à la Courneuve et au titre. Moi j'espère. Après, il y a des paramètres qui font que je ne sais pas encore, mais j'espère un grand moment pour elle. Et l'année prochaine, tous les deux, on vous retrouve sur les terrains. Oui. Ah, je sais pas, parce que après le match des Spartiates, tu me disais que tu en avais marre de porter sur tes épaules Guillaume. Donc, Moi j'attends encore une petite génération là, qui va arriver là. Et peut-être une petite dernière l'année prochaine, ce sera bon pour moi. D'accord, bon bah alors l'année prochaine alors, dans ce cas-là. Moi qui me dis qu'il arrive à faire une saison jusqu'au bout tout seul, mais là je laisse. Sinon c'est chiant. Hein. On me rappelle toujours d'amour. Bon, il n'y a pas de cancel aussi, hein. Ça fait un moment qu'on le rappelle aussi. Non, c'est lui qui se rappelle tout seul. Chaque fois il dit j'arrête et il revient tout seul. Allez, merci.